Nous avons tous un rêve, une passion au fond de nous. Depuis l'enfance, ma passion pour l'art est une évidence. Plusieurs expositions, notamment au château de Courtenvaux, feront connaître son travail. Peintre illustratrice, elle a travaillé pendant longtemps en réalisant des portraits personnalisés, mais aussi en étant l'infographiste maquettiste d'une revue Osons. Actuellement, elle donne des cours de BD manga à la MJC et travaille sur un projet de light novel. Ses influences, le street art et ses collages, tout autant que l'art nouveau avec ses courbes, d'Alphonse Mucha. L'inspiration dans les mangas, Miyazaki, Takahata, Osoda. La calligraphie avec Hokusai et ses paysages de montagne. Et Brancusi du plein et du vide. Et enfin Salvador Dali, qu'elle ne cesse d'admirer. Quand bien même ces sources plus ou moins conscientes peuvent sembler contradictoires, je m'efforce de faire de ces contradictions un des moteurs de ma création. Nous vous proposons un petit moment de rêverie avec le tableau Plantation. Vous pouvez participer en inventant un haïku concernant la peinture, Plantation dans un premier temps. Un haïku est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Il traduit le plus souvent une sensation. Il est comme une sorte d'instantané. Cela traduit une émotion, un sentiment passager. Le haïku ne se travaille pas, il est rapide et concis.